Ce livre, c'est un projet que j'avais en commun avec un poète, écrivain, Julien Delmer. L'idée, c'était avec une association Emmaüs, où les gens viennent pour apprendre le français, donc c'est pratiquement tous des immigrés, des sans-papiers, en partant de mes photos, une série de photos poétiques, mon ami poète Julien Delmer, il animait un atelier de poésie pour amener ces personnes à écrire des poèmes. Et donc, voilà, ça nous a pris plusieurs mois. Et finalement, en partant de mes images, ces gens qui viennent des horizons très différents, il y en avait d'Algérie, des Ukrainiens, des gens du Népal, enfin de tous les pays, ils ont écrit des poèmes qu'on a mis, après on a publié dans un livre avec les photos qui ont suscité, si vous voulez, cette inspiration poétique. Donc ces photos, il y en a une moitié qui étaient des photos inédites que j'avais fait dans des reportages précédents. Et l'autre moitié, je l'ai réalisé exprès pour ce projet. Et c'était vraiment assez touchant de voir ces poèmes naître et voir l'émotion de ces personnes qui n'imaginaient jamais un jour écrire de la poésie. Et leur enthousiasme quand ils ont vu les livres, c'était vraiment très touchant. Ce qu'on voulait montrer, c'est que la culture, la poésie, ce n'est pas l'apanage d'une élite. Tout le monde peut devenir poète, créer, et ça c'est... Et aussi bien moi, en tant que photographe, et Julien Delmer, en tant que poète écrivain, on a les dons du partage. On aime bien partager, on aime bien mettre au service des autres nos capacités. Et donc voilà, ça c'était un projet qui des partages et des fraternités.